La flavescence dorée est une maladie largement répandue causée par un phytoplasme. Un phytoplasme est un micro-organisme vivant à l'intérieur d'une plante. Habituellement, il ne tue pas la vigne, mais en altère le métabolisme. La flavescence dorée cause de graves pertes de production et se propage rapidement. Pour cette raison, elle est considérée comme maladie de quarantaine par les autorités sanitaires européennes. Les conséquences économiques sont énormes et une fois qu'une plante est infectée, elle ne guérit jamais. Le phytoplasme de la flavescence dorée se transmet de vigne en vigne par un vecteur, une cicadelle, Scaphoideus titanus, qui se nourrit dans les vaisseaux du phloème. La flavescence dorée est une maladie endémique, devenue d'intérêt économique depuis 1955 quand Scaphoideus titanus a été introduit en Europe, depuis l'Amérique du Nord, et a commencé à répandre le phytoplasme. Aujourd'hui, la maladie est majoritairement répandue en Italie, en France, en Croatie, en Hongrie, malgré des régions toujours indemnes. La flavescence dorée est aussi présente ponctuellement au Portugal, en Espagne et en Allemagne. Les symptômes permettant de reconnaître la flavescence dorée sont un jaunissement des feuilles pour les cépages blancs, un jaunissement des feuilles pour les cépages noirs, les feuilles se recroquevillent sur elles-mêmes, les feuilles sont craquantes, les rameaux ne sont pas lignifiés, les grappes sont plus petites et certaines grappes sont complètement sèches. La flavescence dorée peut être facilement confondue avec les dégâts dus à la cicadelle verte, les dégâts dus aux herbicides, les maladies du bois et diverses carences. Les symptômes de la flavescence dorée sont similaires à ceux du bois noir. Il n'est pas possible de les distinguer visuellement. Uniquement une analyse au laboratoire permet de savoir s'il s'agit du phytoplasme de la flavescence dorée ou du phytoplasme du bois noir.